voici un myxomycète, une espèce cousine des champignons. Il n'a ni système nerveux, ni cellules sensorielles, ni cerveau, et est incapable de planifier quoi que ce soit. Pourtant, il pourrait régler nos problèmes de circulation. Le voici en quête de nourriture. Il établit une sorte de réseau entre les miettes semées sur cette surface. Des chercheurs ont fait une expérience. Ils ont déposé des flocons d'avoine sur une carte, puis ils ont posé un myxomycète sur la carte. Une carte miniature du Royaume-Uni dans une boîte de pétri. Le petit organisme est déposé à Londres. La masse s'est raffermie, puis s'est canalisée sur les itinéraires qui étaient les plus efficaces pour elle. Le myxomycète recouvre tout ce qu'il peut atteindre. Lorsqu'il a localisé la nourriture, il forme des segments pour répartir harmonieusement tous les éléments nutritifs dans son organisme. Au bout d'un moment, il avait pratiquement recréé le réseau routier du Royaume-Uni. Les rares divergences s'expliquent par le relief, qui détourne parfois le tracé des routes, tandis que la boîte de pétri est plate. À un endroit toutefois, la différence est plus marquée, et le myxomycète propose une amélioration. L'axe principal menant en Écosse pourrait passer par Newcastle plutôt que par la côte ouest. Un jour peut-être, les autorités britanniques envisageront un nouveau tracé plus rapide. En attendant, des informaticiens ont transposé dans un logiciel le comportement du myxomycète. Ce dernier ne sélectionne pas automatiquement le chemin le plus court, mais plutôt le plus économique pour lui. Ce logiciel permet de simuler des situations sans avoir besoin de faire pousser des myxomycètes en laboratoire. À droite, voici l'original en accéléré, et à gauche, la modélisation. À titre de simulation, les chercheurs ont par exemple suspendu l'accès à l'agglomération de Leeds. En s'appuyant sur ce type de modèle, par exemple avant de planifier des travaux, les gestionnaires de la circulation pourraient faire émerger l'itinéraire le plus économique. Mais là encore, l'idée est trop nouvelle pour être appliquée largement. Le principe de base est d'éviter les endroits où il n'y a pas de nourriture et de se concentrer sur ceux où il y en a. Cet algorithme, cette formule mathématique, pourra être utilisée à l'avenir par les ingénieurs routiers. Et ils n'auront plus besoin de faire appel à de vrais myxomycètes. C'est ça le biomimétisme. On observe le fonctionnement d'un organisme, on en déduit un principe, un algorithme, et c'est ça qu'on applique ensuite. Le logiciel inspiré du myxomycète peut bien sûr fonctionner aussi en Italie ou aux États-Unis. Et il permet bien sûr d'optimiser d'autres types de réseaux, ferroviaires par exemple. Voici une carte des villes qui entourent Tokyo. On a déposé des flocons d'avoine sur chacune d'entre elles et observé le déplacement du myxomycète. Ces exemples éloquents suscitent un vif intérêt dans les conférences que donne Janine Benyus. Dans le public, de jeunes responsables politiques, des architectes, des concepteurs de produits. Ils repartiront avec de nouvelles approches et de nouvelles perspectives pour leurs travaux.